Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Kage Ombre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XVI et on est de retour avec Clive. Et regardez-moi le personnage, il est magnifique! Et là normalement on avait aidé, dans le dernier épisode, on avait aidé Bernard qui a terminé de réparer le pont et on devait se rendre à l'Estanger. L'Estange. Et on avait fait quelques petites. On y avait deux petites quêtes secondaires. Là, il y en a encore une sur la route. Donc, on va faire tout ça. On va avancer. Et avant de commencer cette vidéo, on n'oublie pas de liker. On n'oublie pas de s'abonner. Et on n'oublie pas d'activer la petite cloche si on veut rien rater des prochaines vidéos. Il est là, Bernard. Comme neuf. Vous pouvez le traverser sans risque. Par contre, n'allez pas vous faire boulotter par les. Ouais, ça va, j'ai pas peur. Je ne crains rien. Les environs. Il pourrait y avoir des monstres qui ont migré. C'est vrai, il vaut mieux qu'on soit prudent. Et j'ai changé le mode qualité pour le mode performance. On va voir un petit peu s'il y a une différence. C'est un petit peu moins flou, un petit peu moins joli, mais c'est un peu moins flou. Allez, c'est parti pour le premier combat. On commence direct. On brûle tout le monde. Excellente cette attaque. Oula, c'est quoi ça? Adamankelon, une tortue, on va se taper la tortue. Oh la vache, elle est énervée la tortue. Vache! Oh, les attaques de la tortue sont géniales! Oh, qu'est-ce qui frappe? Mais qu'est-ce qui frappe? Oh la vache! Fait délirer la tortue! Ah, elle m'a mis un coup de tête, laisse tomber! Ouais. Allez! L'attaque du phénix! Allez, c'est bon, on l'achève. C'est bon. C'est pas une tortue qui va nous faire chier, ouais. Oula, un brigand. Des brigands, attention. Allez. On brûle tout le monde. Ok, les brigands, c'était rapide. Avec un petit coffre à la clé. Alors, la quête secondaire, elle est là. Les musiques toujours aussi belles. Jeu très poétique. Voilà, c'est bon, allez, hop. Alors, quête secondaire, qu'est-ce qu'il nous veut, lui? C'est Frédic. Non, c'est Frédéric. Excusez-moi, votre épée pourrait m'être utile. Oh, pas de bol, un pourvoyeur. Et j'ai pas le temps de demander une permission à son maître. Attends, cette broche avec un chocobo que tu portes, t'es du groupe de Martha? Bien, elle m'en voudra pas de t'utiliser, surtout si on parle de l'eau. On a déjà essayé de le faire nous-mêmes. On a posé un appât en pensant pouvoir tous les massacrer d'un coup. On s'attendait pas à avoir une si grosse meute de loups. On va taper du loup. Noir en est la cause.
Ils ont dû quitter leur habitat dévasté. On espérait que des bêtes affamées soient des proies faciles. On était bien trop optimistes. Martha a du flair. Tu dois être digne de confiance. Si t'as une minute, débarrasse-nous-en. Alors, aider à éliminer les monstres, ok? D'accord. Je me charge de votre problème de loup affamé. Bien, je remercierai Martha. Je suis prêt à parier que ces fichus monstres sont encore dans le coin, sur les restes de là-bas. Quand tu les auras tous exterminés, va voir mon ami qui est juste après le pont. Brice, il s'appelle. Il sera content de savoir qu'il peut passer. Bon, je compte sur toi. Alors, quête acceptée. On l'active. Alors, ils sont où? Oh, ça va, c'est juste à côté. Franchement, les quêtes annexes, c'est... Pour l'instant, c'est cool parce que tout se passe juste à côté. Là, c'est sur le chemin, on n'a pas le choix. Des loups affamés. Allez, c'est parti. Oh mince, je suis en train de taper le loup dominant. C'est pour ça qu'il avait plus de vie. Allez, il est mort. Allez, plus que les petits. Et voilà. Qu'à trouver Brice et lui dire que c'est bon. Tout est bon, Brice. On a tué les loups. Alors, tac, là, on est bon. Dans des quêtes annexes comme ça où tout se trouve sur la route, honnêtement, ça c'est plutôt agréable. Salut Brice, on a tué les loups. On est dans un sacré homme égaré. Vous êtes Brice? Putain, j'adore son chapeau, il est trop beau. Votre ami m'a demandé de tuer les loups. Alors je me suis débarrassé d'eux. T'es en train de me dire qu'un seul pourvoyeur s'est fait toute la meute? Mais en fait, sans ça, tu ne serais pas de ce côté du pont. T'es du genre balèze, toi. Ah, Frédéric, ce vieux renard. J'aurais jamais eu l'idée d'envoyer un pourvoyeur contre ces bêtes. Tu as bien travaillé, pourvoyeur. N'oublie pas de remercier ton maître pour nous. Allez, quête terminée. C'était rapide, efficace. Un pourvoyeur, pas bête. On gagne pas mal de, plutôt de l'or. Des matériaux. Parfait. Ah, je sais pas ce que vous en pensez du mode performance par rapport au mode qualité. Ah, on arrive à l'estange. Alors, on est de retour dans notre pays natal. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Je me souviens être venu ici avec Murdoch quand j'étais petit. Ça paraît si loin, j'espère qu'il se porte bien. C'est joli, c'est très joli. On arrive au premier village de One Piece. On va rencontrer Luffy! Monkey D. Luffy! Alors, il n'y a plus rien à faire, on est bon. Ah, attendez. Là, il y a une... On va aller voir jusqu'au bout là-bas vite fait et on va revenir... Le secteur, la carte, un beau petit panorama. Ah, ça manque encore un peu de fluidité. Même quand je bouge lentement le joystick, c'est un peu, ça manque un peu. Ça manque un petit peu. Allez, c'est bon. De retour dans le village des moulins. À l'estange. Qu'est-ce qui nous attend dans le village? La province impériale de Rosalia. C'est calme, tu ne trouves pas? Oui. Mais vous êtes Clive Rosfield. Il tient son épée alors que c'est une gonzesse. C'est moi, Anna, la femme de Murdoch. Madame Murdoch. Madame Murdoch. Seigneur et mademoiselle, je suis si heureuse que vous alliez bien. Oh.
Oh non, pleurez pas, madame, pleurez pas, vous allez me faire de la peine. Je suis heureuse de vous revoir, madame Murdoch. Vous savez, nous devrions discuter à la maison. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais nous y serons à l'aise. Un petit café, les amis! Allez, volontiers, c'est parti! Avec un petit biscuit, ouais! Un petit cookie! J'adore les cookies. Et toi, tu aimes les cookies? Alors, vous parcourez le monde depuis ce jour-là. Quand je pense que vous avez dû vivre sur les grands chemins si jeunes, oh, même si c'était pour échapper au royaume de fer. Ce n'était pas facile, mais nous avons survécu. Voilà. Et nous sommes là. Ça nous fait plaisir de vous voir en bonne santé, vous savez. Et vous comptez rester ici, au village? Rosalys a toujours la protection du cristal mère, non? Vous pourriez déménager? J'ai beaucoup de souvenirs dans cette maison, vous savez. Il n'y a pas grand chose à accrocher sur les murs quand même. Hein. Calme, je ne bougerai pas. De toute façon, Dame Annabella interdit aux gens du peuple de vivre dans la capitale. Depuis que Rosalia est un territoire impérial et qu'Annabella a épousé l'empereur de Sambrec, bien des choses ont changé ici. Oui, j'imagine. Oh, pardon, je ne voulais pas... Oh non, vous n'avez rien fait de mal. Vous devriez pourtant avoir le même statut qu'une noble, non? Votre mari est un grand général, Rosalia. Vous n'êtes pas au courant. Le jour de l'attaque, Rodney est mort. Il n'est jamais rentré du Fort Phoenix. Je l'ignorais. Clive. Ah, il était désintégré, je me souviens. Tout va bien. Vous êtes pâle. Ok, c'était notre entraîneur, je voyais pas qui c'était au départ. J'insiste, reposez-vous. Nous parlerons demain. On en reparlera demain. Une bonne nuit de sommeil. Quand je pense qu'elle nous avait préparé une chambre... Ce ne serait pas correct. Elle a dit qu'elle allait aussi te préparer des vêtements propres d'ici demain. Ah, on va changer de tenue sûrement. Il faudra bien la remercier. Dire que ça fait 13 ans. 13 années passées à genoux, à vivre docilement, à encaisser le coup. Ma seule raison de vivre, c'était Joshua. J'avais juré que je vengerais sa mort, que je tuerais de mes propres mains cet autre primordial de feu. J'étais sûr que c'était pour ça que j'avais survécu. Mais en réalité, si c'est moi qui ai provoqué la mort de Joshua, et même du général Murdoch,
Alors pourquoi c'est moi qui suis encore en vie? Je connais ça, crois-moi. À cause de moi, tant de gens sont morts. Tant de vies gâchées. Et j'ai aussi perdu bien des compagnons. Pour tout te dire, en fait... le jour où on s'est retrouvés, j'étais prête à mourir. J'étais en proie au désespoir. J'étais complètement à bout et je me perdais chaque jour un peu plus. Je comprends. Tu te souviens quand on était enfant ? Le soir de ton départ. J'avais fait un vœu à Métia, et il a été exaucé. Tu as survécu. Je suis sûre que le destin a voulu qu'on se retrouve. Oh, oh. Bah alors, Clive. Mais non, Clive. Bah oui, dodo. Il faut faire dodo, oui, bien sûr. Allez, chacun de son côté, ouais. Bonne nuit, Clive. Franchement, la maison, elle était cool pourtant pour... ouais, non? Ok. Allez, à demain. Allez, le lendemain matin. Merci. Oulala, c'est quoi cette tenue? J'espère que j'attirerai mon attention maintenant. Vous savez, vous ressemblez vraiment à Elwyn au même âge. Nouvelle tenue, attention. Vous ayez des vieux vêtements de mon père. Incroyable. Avant qu'Elwyn ne devienne archiduc, il partait souvent en voyage avec mon mari. Ils étaient comme des frères tous les deux. Je les avais gardés en souvenir de leur amitié. Je suis contente qu'ils aient servi à quelque chose. Mais si ce sont des souvenirs, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas de me les donner? Ne vous en faites pas. Votre père en aurait été ravi. Avec l'épée, c'est trop stylé, ouais. Ça te va très bien. Merci, Madame Murdoch. Oui, oui, merci aussi. Nous apprécions votre aide. Non, c'est à moi de vous remercier. Même si c'était un moment fugace, j'ai eu l'impression de revivre des moments heureux du passé. Soyez heureux, Monseigneur et Mademoiselle. Vous aussi, aussi Madame. Allez, oula, ah oui, c'est une nouvelle épée carrément. Ah, oh, ça va trop, trop bien. Pour se diriger vers le Fort Phoenix. Allons-y. Direction les amis, le Fort Phoenix. Mais regardez-moi encore cette tenue là qu'ils nous ont fait là. Ah là là, le rouge lui va si bien. Ah, la tenue avec les gants et tout, c'est trop, trop beau. Nickel, nickel, j'ai envie de te dire. On va regarder rapidement au niveau de l'équipement. Qu'est-ce qu'ils nous ont fourgué là? Alors, par rapport à l'épée de Gaïa, ah oui, c'est encore beaucoup plus efficace. La ceinture, bon, ça change pas grand chose. Ok, on vous regardera plus tard si on peut l'améliorer. Et donc là on a une échoppe, là un petit point de TP, très bien. Ok, on a fini nos emplettes, on est reparti. On va aller au Fort Phoenix. Là où tout a basculé. Ces vêtements sont... magnifique. Je n'y crois pas. Vous êtes bien aîné, Clive Rosfield. Vous faites erreur.
pourrait me méprendre, Seigneur. Ce sont les vêtements de feu l'archiduc qu'Anna a conservés si précieusement pendant toutes ces années. Je peux l'affirmer, elle les a gardés à votre attention. Vous qui êtes le fils aîné d'Elwyn, elle n'aurait jamais pu les céder à quelqu'un d'autre. C'est absolument inimaginable. Quelle joie de vous revoir, vraiment. De plus, vous allez également pouvoir récupérer tous vos pourvoyeurs. Mes pourvoyeurs. Mes pourvoyeurs ? J'ai des mecs qui bossent pour moi. Enfin, des esclaves, quoi. Pardonnez-moi, monsieur le maire. Pourriez-vous m'expliquer cela en détail ? Je suis un peu perdu. À l'époque, sous ordre de l'archiduché de Rosalia, notre village accueillait les pourvoyeurs qui n'avaient plus d'endroit où aller. Mais avec tous ces bouleversements, les choses ont bien changé pour ces pauvres airs. Ceux qui sont ici ont perdu leur maître il y a 13 ans, lors du chaos de l'invasion de Rosalis par le royaume de fer. Des réfugiés. Exact. Ils auraient dû repartir une fois les choses rentrées dans l'ordre. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Rosalia est devenue une province de Sambrek, et la confusion qui a suivi l'annexion a rendu les choses plus compliquées que prévu pour eux. Pour mieux vous expliquer, en temps normal, nous sommes censés renvoyer les pourvoyeurs sans maître au gouvernement général provincial qui est l'autorité régissant Rosalia actuellement. Mais quand nous avons vu la manière atroce dont l'Empire traitait ses pourvoyeurs, nous n'avons pu nous y résoudre. Et depuis, ils vivent parmi nous. Je comprends mieux la situation. J'ai donc une faveur à vous demander, Seigneur Rosfield. Pouvez-vous les prendre sous vos ordres ? Beaucoup d'entre eux étaient au service de l'archiduc de Rosfield. Aussi, j'imagine qu'ils seraient ravis que vous deveniez leur maître, vous qui êtes l'héritier de cette noble famille. Je ne peux pas accepter. Je suis désolé. Ils ne seraient pas en sécurité. Je vous comprends. Veuillez excuser mon irrévérence, oubliez ce que je vous ai dit. Je vous en ai trop demandé, je m'en rends compte. Cependant, j'aurais un petit service à vous demander, si je puis me permettre. Si ça reste dans mes cordes. Parmi ces pourvoyeurs, il y a un vieil homme animé d'une loyauté exceptionnelle qui ne jure que par feu l'archiduc Elwyn. Je ne vous demande pas de redevenir son maître. J'aimerais juste que vous le rencontriez, qu'il puisse voir que vous êtes toujours en vie. Et à quel point vous êtes le portrait craché de votre défunt père. Ce serait un honneur. Merci, Seigneur. Cet homme passe la plupart de ses journées près du puits du village à observer les gens. Je vous serai très reconnaissant. Allez lui faire un petit signe. Quête acceptée. Souvenir de Rosalia. Très bien, on doit passer voir quelqu'un. Portrait craché de mon père. Aider le maire. Se rendre au puits. Surtout habillé comme ça. Très bien. Allons saluer ce pourvoyeur. Allez, ouais, on y va. Alors, où est-il ? Où est-il ce pourvoyeur ? Il n'est pas là. C'est une perte de temps. Sans le rencontrer. Surtout après l'avoir promis au maire. Cherchons-le encore un peu dans les environs. D'accord, cherchons dans le coin. Quelqu'un doit bien l'avoir vu. Alors, on va le retrouver. Ah donc, vous n'êtes pas du village ? Que faites-vous à l'estange, voyageur ? Nous recherchons un vieux pourvoyeur. Ne l'auriez-vous pas vu par ici, par hasard ? Ah, vous devez parler de l'homme qui est toujours près du puits ? Oui, c'est lui. Qu'est-ce que vous lui voulez, si je puis me permettre ? Seriez-vous aussi de Rosalis, tous les deux ? On l'est. Plus ou moins. Alors ça fait plaisir de voir des gens de Rosalis. J'habitais aussi tout près du château, petite. Et je regrette amèrement le règne de notre bien-aimé archiduc. Depuis son décès et notre annexion par Sambrek, la vie ici ne fait qu'empirer. Le fléau noir ravage nos récoltes, mais
Les impôts à payer restent les mêmes. Mais je digresse en voyant des gens d'autrefois. Excusez-moi. Pour ce qui est de votre vieux pourvoyeur, à mon avis, il ne doit pas être bien loin. Il reste toujours dans ce village comme s'il attendait quelque chose. Nous allons continuer notre recherche. Merci. C'est nous qui l'attendons, ça tombe bien. Ok, il y a une deuxième personne à qui on doit parler. En train de passer... Non mais qui passe le balai dehors, sérieux? Tu vois beaucoup de monde, toi, qui passe le balai comme ça dans la rue, mon gars? Mais là, c'est même pas la rue, c'est comme s'il balayait, dans les champs, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes à la recherche de quelqu'un. N'auriez-vous pas vu un pourvoyeur dans les environs, par hasard? Un peu âgé. Ah, ce vieux fou. Non, pas encore vu aujourd'hui. Bizarre. À cette heure-ci, il est toujours près du puits. À faire sa cuisine imaginaire. Sa cuisine? Oh, il travaillait dans les cuisines du château de Rosalys à l'époque. Et il en parle toujours. Il dit que l'archiduc le complimente, comme s'il y était encore. Il vit dans son rêve maintenant. Il est plus heureux dans son monde, j'imagine. Un noble bavardant avec un pourvoyeur, c'est impensable sous le règne sambrécois. Pas vrai? Oui. En tout cas, il doit pas être bien loin. Il n'est pas vraiment en état de voyager. On va chercher. Merci beaucoup. Ok, ça nous avance pas dans beaucoup. Oh, attendez un instant. Le jeune Patrick, l'éleveur de Chocobo, lui sait peut-être où il est. Il a pris ce vieux coucou sous son aile, si je puis dire. Il doit être à l'écurie. Vous devriez aller lui demander. Allez, on part pour l'écurie, ok. On y va, merci. Quand est-ce qu'on monte un chocobo? Moi aussi, je veux monter un petit chocobo, là, pour aller plus vite. Je te laisse tout faire à ma place. Ne t'inquiète pas, on doit garder notre couverture. Allez, renseignons-nous auprès de Patrick. Patrick, l'éleveur de chocobo. Bah alors, on n'attend pas Patrick? Incroyable. Mais il s'est fait attaquer sûrement par des bestioles. C'est un problème. C'est encore ce sacré pourvoyeur. Je le quitte des yeux deux secondes et il en profite pour disparaître. Il n'est pas non plus dans son coin habituel près du puits. Est-ce qu'il aurait quitté le village? Vous êtes bien Patrick? Oui, mais... Et le pourvoyeur que vous cherchez, c'est bien le vieil homme qui travaillait dans les cuisines du château de Rosalys, non? Absolument, mais oui. Comment savez-vous tout ça? Je vous ai jamais vu à l'estange auparavant, mais vous semblez connaître le patelin mieux que moi. Blablabla. Puisque vous êtes envoyé par le maire, vous allez m'aider à retrouver ce vieux bougre. En général, il a plutôt tendance à rester dans l'enceinte du village sans trop en sortir. Mais récemment, il s'absente fréquemment, disant que les gens du château viennent le chercher. Il a du mal à faire la différence avec son âge grandissant, mais s'il est parti quelque part, je suis très inquiet pour lui. D'accord. Continuez à le chercher ici. Nous allons voir à l'extérieur. Merci bien. Je vous en dois une. Bon là, c'est histoire de faire traîner un peu la quête principale, honnêtement, là. Parler à un tel. Quoi qu'il en soit, partons à sa recherche. Tout ça pour à chaque fois faire 20 mètres, 50 mètres. Là, faut faire 100 mètres, c'est juste à côté. Alors, trouver le vieux pourvoyeur. On continue. Il n'a pas l'air d'être là. Continuons à chercher. Ah. Alors on y était allé là-bas en plus, on y était allé. Regarde, il y a quelqu'un là-bas. Non, ne saute pas. Ça doit être lui. Dépêchons-nous. Des monstres. On doit d'abord s'en débarrasser. Bon, ça, c'est des abeilles, mon gars. C'est des abeilles, ça va bien se passer, ouais. Bon, les abeilles, pour les attraper, c'est mieux, c'est ce pouvoir-là.
Et voilà, monstre vaincu. Rien de bien difficile. On attend le challenge quand même. On attend un petit peu le challenge quand même là. Hein. Parce que vaincre des abeilles et puis des loups, ça va quoi. Vous vous sentez bien, monsieur? Alors, rentrons à la maison. Majesté, vous êtes enfin revenu. Je vous ai attendu si longtemps, mais vous voilà enfin. Je ne suis pas qui vous croyez. Clive. Oui. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est rien, votre majesté. J'ai prié toutes ces années pour vous revoir, et vous voilà enfin parmi nous. Nous allons pouvoir retourner au château. Je vais reprendre mon travail au fourneau. Non, cher ami. Nous ne pourrons pas retourner au château. Pas encore, mon long voyage n'est pas terminé. Cela prendra un certain temps. Pourriez-vous attendre mon retour encore quelques temps? Ici, à l'Estange. Je reviendrai vous chercher, c'est promis. Bien sûr, votre majesté. Pour vous, j'attendrai jusqu'à la fin de mes jours. De belles paroles, vieux. De belles paroles. Des loyaux sujets comme ça, ça ne se trouve pas de nos jours. C'est terminé ce temps-là. Merci à vous deux. Votre gentillesse me touche. Ces souvenirs de feu l'archiduc étaient son unique lumière dans son désespoir. Vivre dans cette fantaisie était sa seule solution. Ce n'est qu'une chimère, bien sûr. Mais cette réalité est trop cruelle à accepter. C'est valable pour nous tous. Le fléau noir est à nos portes. Nos récoltes se meurent. Les gens désertent les lieux. Si Anna Murdoch n'avait pas vendu ses biens et eu la bonté d'en faire profiter ceux qui avaient décidé de rester, la vie ici ne serait plus possible. Nous voulons nous occuper des pourvoyeurs de tout notre cœur. Mais, à moins d'un miracle, nous ne serons plus en mesure de partager ne serait-ce qu'un bout de pain à ce rythme. Ah. C'est si grave que ça? Si grave que j'ai même fait une requête auprès du gouvernement d'occupation. Mais ils ont cessé de nous écouter quand ils ont vu que nous étions des fidèles d'Elwyn. Nous ont traités de ducalistes. Nous étions des ennemis de l'Empire. Je connais un certain Cid qui serait ravi d'accueillir tout pourvoyeur dans le besoin. Ce serait bien pour eux. Dès que je reviens du Fort Phoenix, je lui en parlerai. Merci, Seigneur. Vous arrêterez-vous à l'Estange à votre retour? Je serai très heureux de pouvoir rediscuter avec vous si vous avez le temps. Pour parler du futur de ce village et de ce qu'on pourrait faire pour cette chère Anna, pour la remercier de sa grâce. Oui, bien sûr. Je reviendrai vite. Au revoir, Seigneur. Mademoiselle, je vous souhaite bonne route. Quête terminée. Ok. Bon, pour l'instant, ça n'avance pas grand-chose au niveau de la quête principale. Mais bon, fallait bien passer par là. Toujours un temps calme. Toujours un petit temps calme. Allez, on reprend notre route. Ah ouais, tout ça pour ça, quoi. Allez, c'est bon, on peut enfin aller au Fort Phoenix, bordel. Sans se faire interpeller, s'il vous plaît. Ah. Je vois pourquoi il faut appuyer sur R2 pour ouvrir les portes, ça sert à rien. Forêt de Morlion. Et elles sont si près du village. Plus aucune plante ne peut pousser. Le sol a perdu presque tout son éther. Oula. Dès lors que la terre est comme ça, on ne peut plus rien cultiver. Plus de plantes, plus d'animaux, plus de vie. Le seul bon côté, c'est qu'il n'y a plus de monstres non plus. Ah, bonne nouvelle, on peut tracer, il n'y a pas de monstres. Enfin, c'est ce qu'ils disent. On va peut-être tomber sur autre chose. Tac, là, il y a une petite embouchure. Qu'est-ce que c'est que ça? Oulala, c'est quoi ça? C'est un temple? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Une ruine céleste. Ok, ce sera pour plus tard.
pour affronter des boss primordiaux incroyables. Non mais regardez-moi encore ce décor complètement, ces terres complètement ruinées avec les montagnes là-bas au bout. C'est trop beau, franchement je kiffe. On ne peut pas faire appel à la magie ici. Ah oui, pas de magie. Sans éther, pas de magie ni d'être vivant. Ok, il faut y penser. L'éther s'éteint comme ça. Toute une zone meurt avec lui. Lundi. Le roi devait être verdoyant autrefois, avant le passage du fléau. Sûrement. Ça devait être beau. Ça devait être très beau, tout à fait. Bon, au final, c'est juste un couloir, t'as juste à avancer. Et on arrive. Et on arrive au bout de la zone. Ah, de nouveau de la verdure, avec un point de TP. Alors qu'est-ce qui nous attend là? Nous y voilà, le Fort Phénix. Le Fort Phénix. Là où tout a commencé. Courage, Clive. Il est temps d'affronter ton passé. Ah, on a terminé très bien. On va pouvoir arriver au Fort Phénix. Ruine du Fort Phénix. Et bien vous savez quoi les amis, je pense qu'on va arrêter cet épisode là, ici. Je crois que c'était encore un épisode assez calme, avec un petit peu d'histoire. On a un petit peu avancé tranquillement, il s'est rien de passé d'incroyable. Mais là je pense qu'en arrivant au Fort Phénix, je pense qu'on va rencontrer des êtres incroyables. Des êtres plus forts que nature. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de s'abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. Allez, salut tout le monde !